Je suis en direct, vous êtes avec Jean-Michel Cohen, Savoir Maigrir, la méthode Cohen. Aujourd'hui, le sujet du jour, il a été inspiré par les articles qui sont parus dans la presse à propos de quelque chose que vous connaissez, on en a déjà parlé, c'est-à-dire des infections alimentaires. Là maintenant, ce coup-ci, c'est des baguettes de pain, je crois, de chez Lidl ou d'un supermarché, je ne veux critiquer aucun distributeur. Ce sont des baguettes de pain dans lesquelles on aurait retrouvé des morceaux de fer. Alors, je dois vous dire que, à propos des infections alimentaires, il faut quand même faire des distinctions. Et là, ces temps-ci, je pense qu'on observera de plus en plus d'alertes sur le sujet parce que ouais, c'est un phénomène médiatique. L'affaire des beefsteaks hachés, l'affaire du Nutella, tout ça réveille beaucoup de choses et surtout l'affaire de Buitoni, où là, le jeune garçon qui est décédé, en fait, est mort d'une infection à Escherichia coli. Moi, je voudrais vous préciser quelque chose qu'on ne dit pas assez. C'est qu'Escherichia coli, c'est un germe assez banal. On peut retrouver dans plein d'endroits et ça tue pas régulièrement. Sauf qu'il existe des variétés d'Escherichia coli, en l'occurrence celle qui a frappé ce jeune homme, qui sont des variétés extrêmement dangereuses. On l'appelle Escherichia coli hémolytica. C'est un nom chic latin qui signifie qu'il est susceptible de déclencher des troubles de la coagulation. En l'occurrence, ça fracasse les globules rouges, ça veut dire que ça les ouvre. Ensuite, les globules rouges vont s'agglutiner et ils vont former des caillots un peu partout dans le sang. Et ça provoque bien sûr des dégâts terribles, notamment ceux dont est décédé ce pauvre petit garçon, c'est-à-dire des occlusions des artères des jambes, une occlusion d'une artère du cerveau, ce qui fait que ça a décidé ses parents à arrêter la réanimation, puisqu'il aurait fallu, pour le faire vivre, à supposer que son cerveau n'ait pas été atteint, à le faire vivre, de lui couper les deux jambes et à espérer que le cerveau redémarre. Et je pense que c'était une opération à peu près impossible, et donc je fais confiance aux médecins. Alors, il y a trois types d'infections sur lesquelles vous devez vous focaliser et celles sur lesquelles vous pouvez intervenir. En premier lieu, c'est la listeria. C'est une maladie qui s'appelle la listériose. Cette maladie est excessivement dangereuse. On trouve toujours à peu près les mêmes aliments pour lesquels cette bactérie est responsable. Alors, je dois vous dire que j'en parle aujourd'hui parce que les temps deviennent chauds et à la chaleur, il y a une prolifération des microbes qui est beaucoup plus importante. Pour éviter ce type d'infection, la priorité, c'est la cuisson des aliments. Ça veut dire que pour éliminer la listériose, il y a deux choses à faire. On lave extrêmement bien les fruits et les légumes parce que c'est une bactérie qu'on retrouve souvent dans les souillures au niveau de la terre et donc on est obligé de laver les fruits et les légumes. Donc c'est pas une plaisanterie. Ça veut dire que c'est vrai qu'on est un peu feignant de temps en temps. On a des fruits et des légumes, puis bon, on va croquer des tomates comme ça, etc. C'est pas innocent. Donc on lave bien les fruits et les légumes. Et deuxièmement, quand on a affaire à des aliments crus, je parle pas des végétaux là cette fois-ci, mais je parle en particulier du saumon, de la charcuterie, des produits sous vide comme le jambon, eh bien, soit on s'assure de la date limite de consommation. Par exemple, pour le jambon, c'est pas la peine d'essayer de le manger après la date limite de consommation. Elle est indiquée sur la boîte. Si vous le mangez après la date limite de consommation, oui, il y a un risque. Ce risque n'existe pas pour certains produits comme les produits laitiers. Donc, c'est vrai que quand on mange un fromage ou des produits laitiers après la date de limite de consommation, j'ai pas dit 3 mois après, mais quelques jours après, il n'y a pas de risque si grand d'infection alimentaire. Par contre, le produit va se dénaturer, c'est-à-dire qu'il n'aura pas du tout le même goût et donc vous n'aurez pas la même satisfaction. Par contre, quand vous achetez des produits sous vide, je répète, les poissons fumés, la viande et par exemple le jambon, on ne dépasse pas la limite de consommation. Et quand il s'agit de produits crus, on fait très attention, on cuit correctement. Alors, je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup manger les choses crues, mais quand on achète de la viande crue, si on n'est pas sûr de sa provenance, autant la cuire correctement. Et parce que passer un certain degré de température, c'est-à-dire minimum 70 degrés, mais à cœur, au cœur de la viande, par exemple, on a peu de risques d'attraper une infection. La deuxième chose, c'est effectivement Escherichia coli. Alors ça, on va la trouver et toujours dans les mêmes produits, c'est-à-dire les produits crus, les fruits et les légumes, mais également certaines préparations qui n'ont pas été mal conservées, par exemple. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la chaîne du froid. Il y en a partout, Escherichia coli. Donc on insiste beaucoup sur la chaîne du froid et on précise notamment que quand vous congelez un produit, si vous le décongelez, vous pouvez le consommer. Si vous le décongelez, vous ne le recongelez pas, sauf si vous le recuisez avant. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, vous avez congelé une sauce bolognaise, ok, vous l'avez consommée.
Vous ne pouvez pas la recongeler si vous ne l'avez pas auparavant recuite une autre fois, de telle façon à éliminer les bactéries ou les germes qu'il y aurait à l'intérieur. Escherichia coli, ça donne en général les symptômes de la listériose. C'est un embarras digestif avec des troubles, fatigue, sensation de grande lassitude. Et puis après, il y a des symptômes plus importants, également des hémorragies. Escherichia coli, c'est souvent des troubles digestifs très puissants, à type de diarrhée. Souvent, on confond ça avec une gastro-entérite. Après, il y a une troisième infection qui est potentiellement existante, c'est les salmonelles. Alors, les salmonelles, c'est essentiellement les œufs et les produits laitiers. Et là, c'est pareil, ça veut dire que quand vous avez des œufs, alors première chose, ne les lavez pas, s'il vous plaît. Un œuf, il a un film plastique autour de sa coquille, et ce film plastique protège de l'arrivée des microbes à l'intérieur de l'œuf, qui lui-même est un milieu de pousse, c'est-à-dire c'est un milieu où prolifèrent particulièrement bien les bactéries. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de pas conserver trop longtemps une mayonnaise, parce que c'est un œuf cru, et puis c'est un milieu de développement extraordinaire pour les bactéries, donc on ne lave pas ses œufs. Et quand on a fait une mayonnaise, effectivement, on la conserve pas trop longtemps, sauf quand c'est des mayonnaises du commerce qui sont embouteillées et où il y a tellement de produits à l'intérieur que vous risquez pas de vous intoxiquer. Mais encore une fois, même celles-là, vous ne devez pas les conserver trop longtemps. Il faut au bout d'un moment les avoir consommées et donc après, vous évitez de garder ça pendant 3 semaines au réfrigérateur. Voilà, c'est pour vous dire que c'est ces 3 infections qui sont importantes. Les morceaux de métal dans les baguettes de pain du distributeur, c'est une anecdote. C'est comme le plastique qu'on retrouve de temps en temps dans une pizza, etc. Je dis pas que c'est pas dangereux. Ça pourrait l'être, mais en général, on va s'en apercevoir au moment où on va mastiquer le pain. Donc, c'est moins grave. Alors, j'insiste beaucoup aujourd'hui là-dessus. Pourquoi? Simplement parce qu'on va arriver dans des périodes où la chaleur va être favorable pour le développement des microbes. Donc, on ne laisse pas les aliments à l'air. On préfère les laisser au réfrigérateur. C'est la même chose. Je veux dire, si vous faites un barbecue, ne laissez pas la viande trop longtemps à l'air. Essayez de la sortir du réfrigérateur et de pas attendre trop longtemps avant de la passer au barbecue. Quand vous préparez des salades, recouvrez-les pour pas qu'il y ait des microbes qui puissent les contaminer. Quand vous consommez des produits laitiers, alors oui, c'est la même chose. Vous les sortez du frigo et vous les consommez, mais vous ne les laissez pas trop traîner. Voilà ce que j'avais à vous dire rapidement. C'est un sujet qui me tient à cœur. La prochaine fois, on parlera d'un sujet qui travaille tout le monde. C'est le fait qu'il y a une forte inflation sur l'alimentation. Les prix alimentaires ont augmenté. Alors, les raisons, je ne sais pas si elles sont très bonnes. C'est le prix du transport, c'est le coût de la main-d'œuvre, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a possibilité de manger en utilisant des aliments qui coûteront moins cher que ce que vous auriez mangé sans faire attention. Je vous développerai ça. Vous les trouverez sur le site dans pas longtemps, sur Savoir Maigrir. On va préparer des listes exprès. J'ai lu la liste que quelqu'un m'a gentiment envoyée, la grand-mère d'un petit garçon dont je m'occupe, la liste des aliments pour lesquels Leclerc s'est engagé à bloquer les prix. Moi, je trouve que l'initiative est très bonne. Il n'y avait pas à l'intérieur tout ce que j'aurais souhaité, mais parce qu'il n'y avait pas d'aliments forcément diététiques, mais il y avait quand même suffisamment de choses pour qu'on soit relativement conscient de ce qu'on pouvait acheter sans dépenser trop d'argent. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je vais commencer avec les questions des 2 réseaux, que ce soit YouTube et Instagram et Facebook. Alors, il y a quelqu'un qui me demande comment je vais, la santé, ça va plutôt pas mal, il fait beau, etc. Jean-Claude Rivas, qui pose toujours des questions assez originales, me demande cette fois-ci ce que je pense du jus de cranberry. C'est un jus de petits fruits, voilà, c'est un jus de petits fruits qui est relativement sucré, donc c'est bien, mais n'attendez pas de miracle de ces produits, c'est bien pour la santé, mais n'attendez pas de miracle. Lily Lol me dit extra votre dernier livre, je viens de le finir, psychologue, je le conseillerais à mes patients. Oh merci, je suis très touché, flatté par le complément. Hein. Maison Bart me pose une question très fréquente, pourquoi à l'approche des règles les femmes ont souvent envie de grignoter? En fait, c'est un système hormonal, c'est-à-dire que c'est la consommation d'œstrogènes ou la sécrétion d'œstrogènes ou de progestérone qui entraîne en général une augmentation de l'appétit. Malheureusement, il n'y a pas tellement de solutions, c'est-à-dire on ne peut pas empêcher ce phénomène d'arriver, donc ça veut dire qu'on est obligé de jouer en essayant de se convaincre le plus possible qu'on est capable de tenir. C'est la seule chose que je peux vous conseiller. Je n'ai pas de système magique, ça arrive tout le temps. Ce que je vous ai conseillé régulièrement quand vous aviez des sensations de faim, c'était d'utiliser soit des systèmes, je dirais du système D pour se calmer l'appétit. Ça veut dire on se prépare des petits grignotis à base de fruits, à base de fromage blanc à 0%, à base d'œufs durs. En bref, tous les produits
qui sont le moins caloriques possible par rapport à la quantité. Donc, à ce titre, par exemple, les œufs durs, ça marche très, très bien parce que ça coupe l'appétit. De temps en temps, je vous avais dit qu'on pouvait prendre des protéines en poudre, c'est-à-dire, en fait, l'augmentation de la quantité de protéines provoque en général une sensation de satiété. Donc, voilà, vous pouvez le faire aussi. Clélia Etienne me demande pour ce qui est yaourt, fromage blanc, combien de temps maximum après la date de péremption? Oh, faut pas dépasser 5 jours quand même. Hein. Après, ça pose un problème. Hein. Comment bien conserver les viandes achetées chez le boucher? On les laisse au réfrigérateur, c'est tout. A priori, les bouchers sont soumis à des contraintes hygiéniques qui sont à peu près les mêmes que celles des restaurants. Bonjour à tous qui me disent bonjour. Est-ce que les patchs ventre sont efficaces? Non. Tous ces systèmes magiques, les ceintures, les patchs, les compléments alimentaires n'auront jamais, en dehors de leur effet placebo, la capacité à vous aider à maigrir. Ça, c'est, ça fait partie de ce qu'on espère, mais ça marche pas. Peut-on parler des céréales toutes prêtes, type Tipia, Kouebli, Trio de lentilles? C'est pas trop riche en sucre? Non, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour une diarrhée bien grasse et aiguë, vous conseillez de consommer combien de légumes et végétables par repas? Alors, quand on est dans cette situation, il vaut mieux pas prendre de légumes du tout, parce que les résidus vont irriter encore plus l'intestin. Comment manger sur le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle? Je pense que la meilleure solution dans ces cas-là, c'est des produits secs. Les produits secs se conservent longtemps, donc tu peux très bien amener des céréales secs et les consommer, des fruits secs. Et pour les protéines, dans ces cas-là, si tu gardes des œufs durs, mais si tu les t'enlèves pas la coquille, ça peut bien marcher, hein. Si on utilise un sachet de légumes surgelés, doit-on compter le poids encore surgelé ou cuit pour les quantités? Non, tu peux compter le poids surgelé ou le poids cuit. Ça, la différence ne sera pas si énorme que ça. Évidemment, c'est mieux de consommer le poids cuit, mais on ne va pas imposer cet exercice sur un produit qui a une petite densité calorique. Est-ce que le Coca-Zéro est cancérigène? Non, il n'est pas cancérigène, les amis. D'ailleurs, j'en bois de temps en temps. Merci de dire que je suis votre docteur préféré. Ça fait toujours plaisir, hein. Ceux qui me demandent à grossir, je leur rappelle qu'il y a une vidéo sur YouTube, comment prendre du poids, que j'ai faite, qui plaît beaucoup à tout le monde. Anglade dit, il vaut mieux éviter les produits industriels. Oui, j'arrête pas de le dire, les produits transformés, c'est un problème. L'affaire de Buitoni en est un exemple. Les produits transformés sont un problème, même les plats préparés. Donc, ça m'a toujours énervé ça, mais comment faire pour dire aux gens qui vous disent, je n'ai pas le temps, de leur dire, ben, trouve le temps, ça n'existe pas, hein. Les gens s'écroulent de partout, vraiment bizarre, vous ne trouvez pas? Ouais, non, c'est, vous savez, quand un truc marche dans les médias, en général, on a tendance à essayer de chercher tout ce qui fonctionne. Hein. Donc, ça veut dire que les médias ont tendance à amplifier les scandales alimentaires. Depuis plusieurs mois, j'intègre l'alcool beaucoup moins bien qu'avant. Je précise que j'ai franchi la 30e semaine. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Après, la digestion, c'est pareil que pour les graisses. Quand vous avez correctement fait le régime et qu'ensuite vous mangez un repas gras, ben vous avez du mal à le digérer, c'est normal. Bonsoir Blondie, je profite de prendre une petite pause. Ben, ça fait plaisir de t'avoir. Je lave les légumes avec du vinaigre. Ah non, alors là je te corrige. Contrairement à cette rumeur, le vinaigre pour laver les fruits et les légumes, ça ne marche pas. Donc, la seule chose qui marche, si vous voulez utiliser un système externe, c'est-à-dire, c'est de prendre du bicarbonate de soude. Et vous mettez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans votre évier et ça marche. Mettre de la javel ou vinaigre, non, Franck. Non, non, ni javel ni vinaigre, ça ne marche pas. L'avocat, combien par semaine? Ben, si tu veux un demi-avocat tous les jours, ça ne me dérange pas. Mon problème avec l'avocat, c'est qu'il est suffisamment gras. On n'a pas besoin de rajouter d'huile. Hein. Je lave toujours mes fruits et mes légumes, dit Sophie Ortiz. Bien joué. Je me vois pas laver les framboises. Non, tu peux pas laver les framboises, mais tu es obligé de faire confiance. Mais les framboises, c'est pas à la limite le. Les framboises, ça se ramasse, c'est feuillu. Je te parle surtout des fruits et les légumes qui ont touché la terre, Véro. Les salades composées. Alors, oui, les salades composées chez Lidl, elle a été malade, Nadine. Alors, je vous explique, il y a eu un grand scandale qui est passé inaperçu en France, aux États-Unis, il y a 2-3 ans, où en fait toutes les salades en sachet étaient contaminées par de la listeria. Donc, faites attention à ça. Moi, les salades en sachet, vous savez, notamment les salades vertes, vaut mieux les laver. Je répète encore une fois, parce que la question tout à l'heure de Nadine était intéressante, je parle des fruits et les légumes qui ont été souillés par la terre. C'est-à-dire, ceux-là, il faut vraiment particulièrement les laver. J'arrive pas à baisser mon poids depuis 2 ans. Alors,
Marina, je ne vais pas te répondre en 2 secondes sur une question comme ça. La réalité, c'est que les gens qui s'inscrivent à Savoir Maigrir, tu vas avoir des tas de témoignages pendant le fil des questions qui vont t'expliquer que dans Savoir Maigrir, c'est notre boulot de faire ça et que c'est comme ça que ça marche. C'est parce que nous, on sait l'ajuster. Docteur, quelle différence entre les œufs de poulet et les œufs de canne? C'est une différence de taille. En termes de composition nutritionnelle, il n'y a pas trop de différence. Il y en a un peu, mais pas trop. Merci Seven Film. Les merguez, quelle horreur, souvent de la mauvaise viande. Bah, c'est-à-dire que les merguez, on les fait en général avec des viandes grasses. Donc pour les bouchers, c'est assez pratique de récupérer tous les déchets de viande. Et quand je dis déchets, c'est pas complètement pourri hein, non plus. Mais tous les morceaux de viande qu'on n'aurait pas mangé grillés pour en faire des merguez. Le jambon, vu sa composition, je n'en mange pas. C'est vrai que les jambons sous vide, c'est assez déprimant, hein. Je mange chou cru, mini concombre cru, mais je les lave avec du vinaigre. Ben, je te répète, Lise, je préférais que tu les laves avec du bicarbonate de soude. Faut manger fruits et légumes. Merci Fabien. Ouais. Ma grand-mère faisait mariner la viande de lapin durant 12 heures pour éliminer les bactéries. Ouais, c'était vrai. Et les traces de sang dans la viande. Mais oui, bien sûr. Bravo Cynthia, c'est bien. Chez nous, en restauration, nous lavons à l'eau de Javel. Blondie. C'est pas bien ça. Ils le font peut-être dans la restauration collective, mais c'est pas bien. Je mange du blanc d'œuf en bouteille que je fais cuire pour ma muscu. Qu'en pensez-vous? C'est des protéines, t'as raison. Tu peux le faire. Moi, j'ai acheté une fois pour goûter et c'était pas très bon en fait. Docteur Keren Seba, y a-t-il une logique de dire de manger salé au petit-déjeuner mieux que du sucré? Non. En fait, non et oui, c'est-à-dire que c'est vrai que le sucre appelle le sucre, donc plus tu manges sucré en début de journée, plus tu vas avoir envie de remanger sucré, mais il n'y a pas de logique particulière. C'est plutôt si ça ne te stimule pas à remanger du sucre, tu peux le faire. Est-ce qu'on peut donner une personne de 70 ans du CBD pour mieux dormir? Oui, madame. Sonia, quelle marque conseillez-vous pour les protéines en poudre? Les moins chères. Justement, achète-le effectivement chez Gosport et Decathlon. Tu regardes, il doit être composé au minimum à 97% de protéines. C'est tout. Mais n'essaye pas d'acheter des protéines chères parce qu'il y a un beau marketing, ça sert à rien, c'est toujours la même chose. Oh, elle est mignonne cette question. Comment faire fondre la bouée de graisse prise sur le ventre? J'ai 58 ans. Malheureusement, à part régime et gymnastique, il n'y a pas grand-chose et quand ça dure, bah, c'est liposuccion. Je veux un régime prise de poids simple. Va sur YouTube, tu vas voir la vidéo Comment prendre du poids. Est-il vrai que vous allez collaborer avec un centre de laser anti-tabac et sucre? Oui, j'ai trouvé l'initiative très intéressante. Ce sont des personnes qui sont venues me voir depuis Lille pour me parler d'un laser qui serait en auriculothérapie, qui permettrait peut-être de diminuer l'envie de sucre et l'envie de tabac. Donc je vais voir. Vu une émission où le yaourt était encore consommable 3 semaines après la date. Ok, Madelard, c'est peut-être possible, mais c'est risqué et en tout cas, il ne sera pas bon. Ça, j'en suis certain. Les œufs crus, doit-on les conserver à température ambiante ou au frigo? Alors, moi, je pense qu'à température ambiante, c'est très très bien parce que le film plastique va se conserver, tandis que dans un frigo, l'humidité peut dégrader le film plastique autour de la coquille, mais le frigo les protège quand même des infections. La déshydratation des aliments est-elle meilleure que ceux surgelés? C'est pas pareil, mais c'est ni mieux ni moins bien. C'est pas pareil. C'est a priori, ça contiendra moins de nutriments, hein, mais c'est pareil pour ce type de produit. Bonsoir docteur, faut-il récupérer les calories dépensées lors de l'exercice physique pendant le régime? Non, pas de raison, sauf si tu as un coup de mou. Voilà. Named, bonsoir docteur, vous aviez raison avec le mélange féculents-légumes midi et soir, j'ai perdu du poids. Oui, parce que quand on fait un mélange féculents-légumes, ça peut remplacer les protéines. Si on respecte des quantités raisonnables, ça fonctionne. Merci Blondie. Bonsoir docteur, les moyens de contraception féminine peuvent-ils intervenir sur une perte de poids? Eh oui, que ce soit les stérilets hormonaux, que ce soit les pilules mono-hormonales ou pluri-hormonales, oui, ça influe. Dans certains magasins, en ce moment, il faut ramener les produits, beaucoup de problèmes. Ouais, c'est bien, mais moi je trouve ça plutôt bien, franchement, qu'ils acceptent de ramener les produits. Moi, je trouve ça vertueux de la part des magasins. Ouf, j'ai passé le plus difficile, le sevrage du sucre rapide. Bravo, Capucine. Non, je fais pas de la pub pour Leclerc. C'est parce que l'initiative, elle est partie de chez Leclerc. Pour moi, c'est la même chose, mais Leclerc a pris le taureau par les cornes. Faut reconnaître ce qui est bien. Le collagène est bien pour la santé. Pourquoi on dit que c'est un véritable rajeunissement? Pour te le faire acheter.
Bonsoir tout le monde. Où puis-je trouver du zinc et du fer et de la vitamine D aussi? Alors, à part en pharmacie, la vitamine D, c'est dans les poissons gras. Mais je rappelle que la vitamine D, elle est produite à 75% sous l'impact des rayons du soleil. Le fer, on le trouve dans les lentilles et dans les légumineuses, mais aussi dans les oléagineux. Mais ça m'agace de recommander les oléagineux parce que je trouve que c'est trop gras. Et le zinc, en général, on en trouve beaucoup, un peu dans les œufs et beaucoup dans les fruits de mer. Mais je veux récupérer les calories dépensées dans le sport pour maigrir. Ben oui. Diabétique, faut-il éviter tous les jus qui sont sucrés? Oui, il faut les éviter complètement. Voilà. Bonsoir docteur, je mange beaucoup de légumes cuits, mais aucun fruit ni crudité, on s'en fiche, je prends de la vitamine D et un complexe. Est-ce que ça va? Ouais, très bien. La vitamine D, les besoins sont très faibles chez les humains. Hein. C'est maximum 100 mg, on les a très très vite. Hein. Les règles donnent envie de grignoter, c'est mignon ça. Les règles donnent envie de grignoter, nous les femmes avons une excuse, ouais. Les jus sont à éviter, absence de mastication, mais c'est surtout les jus, c'est du sucre liquide. Les rognons, bon ou pas? Oui, ça va. Que pensez-vous des capricornes? Je ne sais pas ce que c'est, Stéphanie. Donc, voilà. Avec quoi soigner la fibromyalgie? Malheureusement, pas avec les aliments. Peut-être avec le microbiote, c'est-à-dire en consommant des probiotiques, mais je ne te donne pas de garantie. On soigne difficilement les maladies, sauf les maladies métaboliques, cholestérol, triglycérides, acide urique, anémie, avec les aliments. Hein. Vous n'avez pas d'orage à Paris, mais je crois que c'est en train d'arriver, Prévost. Ça s'est noirci d'un seul coup. Si on veut remplacer la viande du soir, les céréales, c'est bien. Non, Céréboon, quand on veut remplacer la viande, il faut faire un mélange céréales-légumineuses. Pour une prise de masse rapide au niveau de... Non, c'est des questions bêtes, ça. Les crèmes amincissantes, non, c'est pas mieux. Pour une prise de masse, non, dim, je vais te bloquer si tu continues. Boire du Coca-Zéro tous les jours, tu peux le faire, oui. C'est pas si gênant. Après, c'est une affaire de dogme, mais c'est pas gênant. J'ai eu un bypass il y a 10 ans, perdu 40, depuis plus rien. Pourquoi? Ben parce qu'au bout d'un moment, il y a une limitation, sauf si tu limites toi-même ta nourriture, mais c'est difficile parce que tu as perdu du poids. Je commence le régime des œufs demain. Ben, tu nous donneras des résultats mercredi prochain sur le live, sauf si tu es sur Savoir Maigrir, auquel cas il y a la consultation demain. Le CELU-M6 a bien lissé mes capitons. Tant mieux si ça a marché. Le problème du CELU-M6, c'est est-ce que c'est durable? Et est-elle bonne la mayonnaise Weight Watchers? C'est des mayonnaises qui sont faites avec des émulsifiants et des épaississants. On est dans le produit transformé pur. Hein. Qui voyez-vous gagner à Roland-Garros? Je ne sais pas, je suis le joueur espagnol Alcaraz. Je ne suis pas concerné par le surpoids, mais j'aime votre façon de ne pas stigmatiser ces personnes. Merci les pêcheurs fous. Pour la protéine, je ne sais pas vers quel produit me digérer. Ma pharmacienne n'est pas très au fait des substituts de repas. De la poudre hyperprotéinée, genre goût cappuccino, ça me va. Mais tout à l'heure, la proposition d'une d'entre vous, c'était de les acheter dans les supermarchés. C'est là où elles seront le moins chères, ou chez Decathlon. Donc voilà, mais ne dépensez pas trop d'argent parce que c'est des protéines de petit lait. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. J'ai acheté des compléments alimentaires diète indétox. Je me demande si c'est bien vous qui m'avez appelé ou je me suis fait avoir. Non, diète indétox, c'est moi. On a arrêté de travailler avec Acti Nutrition. Diète indétox, c'est moi. Quels sont les aliments cancérogènes? Les aliments cancérigènes, c'est essentiellement les matières grasses cuites et les produits transformés. Hein. En faisant du sport RPM avec un appartement et sur plusieurs mois, pour maigrir, bravo Triton, c'est vrai que le RPM, c'est très à la mode, c'est faire du vélo à très très vive allure. Peut-on maigrir progressivement avec le régime crétois? Oui, c'est un bon régime, sauf que tu es obligé de gérer tes calories. Voilà, quel savon pour laver les légumes et les fruits? Je t'ai pas dit le savon, je préfère que ça soit avec du bicarbonate de soude, vous achetez ça en pharmacie, vous mettez 2 cuillères à soupe dans l'évier, vous laissez tremper et ça marche très bien. Si je mange 4 œufs avec jambon et fromage, c'est bon, si ça te remplace ton repas, tu peux le faire, mais pas tout le temps non plus. Que prendre pour avoir moins de bouffées de chaleur? J'ai pas de conseil à te donner, Céréboum. Ça, c'est une question pour le gynécologue. Hein. Elle raconte ça. Comment gérer le reflux gastrique? En fait, pour gérer le reflux gastrique, bon, c'est les gens qui ont de l'acidité au moment où ils mangent. En fait, l'essentiel, c'est de manger au calme, doucement, en mastiquant bien les aliments et en prenant vraiment son temps. Pour le laser, il y a aussi le laser au stop qui le fait sur l'île et dans toute la France, pas mal. Ouais. Que pensez-vous des wraps au poulet? Moi, j'aime bien. Les wraps au poulet, ce qui est calorique là-dedans, c'est la petite crêpe qu'ils utilisent parce qu'en fait, elle n'est pas si diététique que ça.
Je prends des gélules de konjac. Est-ce que c'est efficace? Alors, écoute, c'est censé couper l'appétit. Je pense que ça ne dure pas très longtemps, mais si ça marche, tant mieux. Merci beaucoup. Pourtant, le vinaigre blanc ou javel, c'est ce qu'on utilise en restauration. Alors, le vinaigre blanc, je ne suis pas d'accord parce que ça ne sert pas à grand-chose, ça ne lavera pas grand-chose. L'eau de javel, ça marchera sûrement, mais c'est quand même ennuyeux d'ingérer un peu d'eau de javel. Hein. Voilà un témoignage. Valencica me dit qu'elle a eu du laser pour arrêter de fumer et pour réduire le sucre. Ça marche et elle a arrêté de fumer en plus. Quelle activité physique est idéale quand on veut prendre du poids? La musculation? Que conseillez-vous pour la prostate? L'abandon absolu des produits laitiers? C'est la seule chose pour laquelle on a une relation vraie avec la prostate. Je ne fais pas de régime, ça ne sert à rien. Mieux vaut modifier définitivement ses habitudes alimentaires. Oui, mais si tu veux maigrir, il n'empêche pas moins que tu es obligé de réduire ta consommation d'énergie. Appelle ça comme tu veux. Peut-on laisser le beurre à l'extérieur du frigo? Bah, tu peux, les matières grasses, elles ne seront jamais infectées. Par contre, ça ne sera pas très bon. Hein. Comment conserver des fraises framboises au frigo? Je lave les salades vertes avec bicarbonate et vinaigre blanc. Bravo, mais ce n'est pas grave, le vinaigre blanc, tu peux le mettre, mais je doute de son efficacité. J'ai perdu 14 kilos, merci de votre soutien. Je pense qu'il vaut mieux acheter ces produits et légumes, ces fruits et légumes chez le producteur. Ouais, ok, il faut avoir la chance d'en avoir un à côté. Tu vois, en région parisienne, on n'a rien. Hein. Pas de sous-titrage pour les sourds. Ah, sur les lives, je ne peux pas. Sur les vidéos, je peux. Shoot Bruxelles en conserve. Très bien, pas de souci. Bonsoir, Doc. Laetitia, pourquoi a-t-on l'impression que les fruits et légumes, même de bonne qualité, ont beaucoup moins de goût depuis plusieurs années? C'est un problème de surproduction. En fait, il y a plus de flotte dans le fruit et légumes. Donc, ils ont une belle couleur, ils ont une belle gueule. Mais en réalité, le goût a été dilué. Comment nettoyer les champignons? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. De la même façon que les fruits et les légumes, hein, ça veut dire que tu les mets. Moi, je dis que c'est le bicarbonate le soude le mieux. Hein. Que pensez-vous des gâteaux diététiques type Björk? Tu vas avoir une vidéo dans pas longtemps sur ces gâteaux diététiques. Écoute, ils sont souvent un peu moins sucrés, mais en réalité, en termes de valeur calorique, ils sont quasiment équivalents aux autres. Moi, je pense que la dépense est inutile par rapport au produit. Quel est votre avis sur la vente de l'OM? Ah, j'ai pas d'avis. On verra qui le rachète. C'est quoi l'aliment à privilégier pour un régime? A priori, les légumes et les œufs, je vous l'ai dit. Un régime avec des pâtes tous les jours, oui, on peut le faire, mais c'est maximum 200 grammes de pâtes par jour. Triton conseille à Stéphane d'enlever la peau des champignons. Voilà, vous vous répondez entre vous. On grandit jusqu'à quel âge? Parce que j'ai bientôt 16 ans et je fais 1m70. Ah, j'aime la queue, malheureusement, à partir de 16 ans... Il peut y avoir encore une poussée, mais c'est plutôt rare. Hein. Les antidépresseurs donnent-ils du poids? Oui, madame. Ensuite, peut-on maigrir durablement avec le régime Tonon? Non, je ne crois pas. Que faire quand on a des crampes d'estomac? On prend un antiacide. Hein. C'est important. Waouh, c'est en train de se couvrir sur Paris. Quel complément alimentaire prendre contre la fatigue et avoir de l'énergie? Alors que j'ai 28 ans, 26 ans, je suis souvent fatigué. En général, il faut essayer des polyvitamines. Et si ça dure de trop, tu fais un mélange avec du fer et de la vitamine C. Pour éviter la portion, le NASH, combien de portions de fruits par jour? Il n'y a pas de relation entre le NASH et les fruits. Pas de vraie relation. Pourquoi ne trouve-t-on pas des médicaments pour la fibromyalgie? Si, il y en a. En général, les gens donnent du Cymbalta, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Hein. Faut-il laver les œufs avant de les mettre au frigo? Je t'ai répondu non, surtout pas, surtout pas. Est-ce que la Kalantika est bonne pour la santé? Bon, c'est une crêpe, c'est une préparation à base de farine de pois chiche. Un régime pour une maman qui allait un bébé, je peux te donner juste une valeur calorique, il faut être minimum à 1800 calories. Bonjour de la Kabylie, ben donc vous appelez loin. Moi j'adore les carottes râpées, tomates cerises et vinaigre de framboise. C'est bien ta recette. Hein. Que pensez-vous des nouilles hérites de konjac? Écoute, si ça vous plaît, vous pouvez les manger. Hein. C'est pas mal. Linda soigne sa fibromyalgie avec des douches chaudes. Ben, si ça marche, c'est un super conseil. Un naturopathe m'a conseillé de faire un jeûne intermittent de 16 heures. Tu peux le faire, le jeûne intermittent, mais tu es obligé de contrôler le reste de ton alimentation. C'est surtout ça. Hein. Ensuite, est-ce que boire des smoothies à base de fruits avec du lait végétal est permis? Oui, tu peux. Attention à ne pas mettre trop de fruits non plus. Quel complément alimentaire? Ça, je t'ai répondu. Que faire quand on a des crampes d'estomac? Je t'ai répondu. Que pensez-vous des cordons bleus industriels? C'est assez agréable à manger, mais c'est vraiment un truc pourri, quoi. Le jambon, il est pourri, le fromage, c'est pas du vrai fromage. Hein.
Depuis que son médecin lui a prescrit du magnésium et de la levure il y a un mois, sa silhouette s'est affinée, Acide Diamanti, bah, tant mieux. Que pensez-vous du cidre de pomme pour nettoyer le côlon? Si tu veux, mais je ne pense pas que ça le nettoie. Est-ce que c'est bien de prendre des jus de légumes, faire l'extracteur de jus? Oui, c'est bien. Hâte de vous rencontrer pour le matin, ça fait plaisir. Combien de cheat meals peut-on organiser par semaine? Pour ceux qui ne savent pas, les cheat meals, c'est des repas un peu plaisir qu'on se fait de temps en temps quand on fait un régime. La farine de pois chiche remplace un féculent ou une protéine, ça remplace un féculent. Et si tu les mélanges avec des produits céréaliers, type des pâtes ou du riz, ben ça peut remplacer la protéine. Combien de temps pour se désactiver du sucre? 3 semaines. Quel régime pour les problèmes de foie gras? C'est le régime tout court, c'est-à-dire c'est un régime hypocalorique. Le fer, rien de mieux que les abats, c'est vrai. Il y en a plein dans les abats, c'est intéressant. Le régime pour la ménopause, oh, c'est des régimes hypocaloriques un peu diminués, quoi, voilà. Alors, on va supprimer Dim Dim, là, on va le bloquer parce qu'il nous agace, il pose des questions nulles. Voilà, il est bloqué. Bonsoir docteur, je travaille en restauration et le repas pour le personnel ne propose que des légumes crus. Puis-je en consommer tous les jours? Oui, oui, tu peux. Attendez, c'est pas parce que je vous fais une alerte sur les infections qu'il y en a partout hein, non plus. Non, mais je l'ai bloqué, vous inquiétez pas. Il y a toujours un ou deux parasites sur ces trucs. Hein. N'aimant pas les légumes, est-ce qu'on peut les remplacer par un multivitamine, si tu veux? Ouais. Ça, c'était sur Instagram. Que pensez-vous des wraps au poulet? Ben, je t'ai répondu tout à l'heure. Je l'ai bloqué, ça y est, Nicolas. Désolé, je vous embête, j'ai pas noté. Pour les protéines en poudre, c'est 97%. Oui, absolument. Je mange beaucoup d'aubergines en four. Des conséquences? Non, c'est un bon produit. Aucune conséquence, c'est plutôt bien. Difficile, je mange pas de viande et pas de poisson. Ben, on peut remplacer les protéines. Il n'y a pas que la viande et le poisson. Hein. Il y a la volaille, les volailles, les produits laitiers, le fromage. Hein. Combien de questions avez-vous répondu à la minute? Je ne sais pas, mais je vais vite, je sais. C'est bon le régime Herbalife? Non, je trouve ça nul. Ils sont là pour vous vendre des compléments alimentaires. J'ai le ventre gonflé en permanence. Avez-vous une solution? Alors, une solution facile que je peux te donner, c'est d'acheter du Spasfon en comprimé. C'est assez innocent comme produit, ça marche très bien. T'en prends deux dès que tu te sens ballonné. Dans le quart d'heure qui suit, t'as plus rien. Erwan a repris un peu de poids, il va reconsulter les vidéos plus régulièrement. Le riz blanc est-il bon pour un gym? Il est ni bon ni mauvais, tu peux en manger. Éloane, pourriez-vous nous refaire une vidéo topo sur le sel, le sodium? T'as raison. Que pensez-vous du foie de morue en conserve avec son huile? Très bon produit, il faut aimer ça. Comment savoir si on a des carences en général? C'est l'analyse qui fait ça. Hein. Que pensez-vous des repas Weight Watcher? Je les trouve sans intérêt parce que c'est des repas. La ration est diminuée et en général, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Les amis, il est plus de 20 heures. Il n'y a plus beaucoup de questions sur Facebook. Instagram, on se reverra assez régulièrement. Je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, rendez-vous pour la consultation Les Abonnés à Savoir Maigrir. Et mercredi, le live à 19h30. Et il va pleuvoir à Paris. Salut tout le monde !